Salut les gens, c'est Little Geek and Friends, j'espère que vous allez bien. Petite synchronisation vocale. Voilà. Sans vous dire que j'ai bien eu peur, en fait, quand j'ai essayé de filmer tout à l'heure. Je vous montre un petit extrait. J'ai cru que la sauvegarde en fait avait été corrompue. Car en fait ce que j'ai voulu essayer de faire, c'était de prendre ma sauvegarde et de la mettre donc sur mon ordi portable, ce que je n'ai pas eu le temps de faire avec mes cours, etc. Et en fait, juste en faisant un bête copier-coller, et ben ça avait corrompu ma sauvegarde que j'avais sur le. Non, ça n'a pas l'air de couper. Donc faire ça ne change n'a aucun sens. J'aimerais bien regarder. Non, la carte. Alors c'est quoi que j'ai pas. Je crois que j'ai pas vu. Ouf. Ça, je crois que je l'ai pas vu. Non. Je ne crois pas. What? What the? Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, pour ça. Doucement, ça va. Oh, c'était pas si compliqué, j'ai pas perdu de vie au corps. Je crois qu'ils ont pris juste 10 rubis. Je m'en fiche, Link, enfin Gecko. Je m'en fiche complètement. Donc, j'espère que vous appréciez cette série, j'ai eu des très bons retours sur l'épisode 7. Et ça m'a fait ultra plaisir. What, ok. Ah, ça descend un de ces levels comme ça, d'accord. Bah c'est par là. Ok. Ah, ça marche pas. Donc la bombe n'était pas assez près. Et vraiment, de ce level, non. Pas de marché. Ah si, ça marche. Et ça me donne la boussole, une clé. Ça me donne. La boussole. C'est sympa. Merci. Et ça fait que. On a encore un coffre là, on a un coffre là-bas, le boss au premier étage. Ok. Ça fait qu'il faut bien que je détruise le truc qu'il y a. Tout là-bas. Je l'ai pété? Ouais, je l'ai pété. Aïe. Là, faut que je trouve juste le chemin, le moyen. Je sais jamais s'il y a des cœurs. Enfin, bon, disons, ça m'en fiche. Ici, peut-être. Voilà. Ah, mais bien sûr. Donc c'est haute serbe, mais serbe à rien. Que dalle. La drogue. Une petite clé. Je crois qu'il y avait une porte, il y a besoin d'une petite clé. Je ne sais pas plus où. Génial. Très mal prêt. Ah.
pas. Et hop. Ne plus. Non. Je vois pas trop à quoi ça va servir. C'est beau. Oh. Oh, de la vie. Cool. Et là-bas. Ça passe. De la magie. Cool. Cool, cool, cool. Cool, cool, cool. Donc. La petite clé, la petite clé. Ouais, c'est bien ça, ça bouge mon. Non, je peux pas mon meneur. Je sais pas quoi c'est ça. Donc, eux, vous faites chier. Donc, je vais vous esquiver totalement. Alors, une clé. Une clef. On vient de là. Ah, ici. Oups, je ne tombe pas. La clef. Non, je n'ai aucun souvenir de. Je crois que je me répète souvent. Mais vraiment, je crois pas avoir déjà fait une seule fois ce level. Donc cette eau, je sais pas si c'est une. Si je peux nager dedans. Des mélos. Enfin, je dis ça, je dis rien. Allez, dégage. Et maintenant, non. Voilà, comme ça. Ça marche, tu peux le faire. Faire. Ce dégât complètement gratuit. Ah, ça, c'est. Quel est cet ennemi? Même pas cet ennemi. Tant de monstres derrière là. Ils me regardent avec leurs yeux là. Trop mignon. Ouais, ça me ralentit, on dirait, tout simplement. Jugeant à chaque fois de les enlever. Ça a rien à faire avec ces graines, mais c'est quoi là, c'est. Et boum! Et un coup. Alors, mais c'est ça, peut-être que c'est des trucs de piñata. Oui! Piñata! Je suis en dire du comme ça. Voilà. Bon. Alors. On a deux, trois trucs pour sauter, même. Ça, qui nous attend. Allez, viens. Viens par là. Ok. J'ai l'air de s'en foutre un peu de nous. Donc, on va en profiter. Et. J'aurais juste une petite question pour ceux qui regardent. Je sais pas du tout. De base, on avait la limite de 200 pièces. Je suis en train de faire beaucoup de caca là. Ouais, j'aimerais juste savoir comment on fait pour avoir une plus grosse bourse. Pour plus de pièces. Juste voilà, voilà. Alors là, pour casser ça, pas ramasser ça. Non, on a que des rubis. Putain, je suis riche. Et là, ce que je vais essayer de faire, voilà, voilà ça. Je vais essayer de les taper eux avec. L'air de s'en foutre complètement. Ok. Non, c'est joué. Je peux maltraiter par contre pas. Voilà. Magie, c'est toujours plaisir. Salaud qui esquive.
Non, on va les ignorer. Je récupère le bâton. Et on va monter. Voilà. Tente ce truc là-bas. Deux. Non. Saloperie. Ça. Il me fout la paix un moment, quoi. Ça. Voilà. Il vient le lancer. Et de 1. Laisse-moi ramasser ça. Non, non, non. Non! Oui, je sais, c'est long, c'est chiant. Mais je veux savoir qu'est-ce qu'il y a derrière ça. Par contre, si c'est des pièces, faites pas content. Faites Gecko pas content. Oui, voilà, donc j'aimerais juste savoir comment on fait pour avoir des meilleures pièces. J'ai vu les commentaires de la dernière fois, d'ailleurs, je vous remercie. Pour tout ce qui est les mini-quêtes sur Mercantile. Non, saloperie. Plus rien, je m'entends. Ouais. Oui. J'abandonne. Oh, mais il y a un truc en haut. Ah ah. Que faire avec? Que faire avec? Je vais essayer un truc et après je vais reprendre la porte, là, monsieur. Je crois pas que ça soit des trucs totalement possibles. Si je peux. Alléluia. Allez. Voilà. Et maintenant. Non, tu montes, s'il te plaît. Allez. Monte. On descend. J'ai besoin de la feuille, moi je vous mets finalement. Non. Et ça, c'est un accès à un coffre. Ne pas s'énerver, ne pas s'énerver. Ce jeu, vraiment. Il est beau. Il est cool. Mais si tu te rates, tu te rates. Et il te pardonne pas. Voilà, comme c'est bêtise comme ça que je fais. Je fais pas exprès. Je ne fais pas exprès, je vous le dis. Je vous le jure. Le pire, c'est que je suis sûr et que derrière ça, il n'y a rien. Je devrais rusher. Terminer ce donjon. On va rester 3 épisodes sur ce donjon, je sens. Voilà. Là, tu te respectes. Et là, voilà, là, tu te respectes. Et là aussi, tu te respectes. Mon dieu, c'était dur. Bon, si les manettes n'auraient pas bugué. Toujours pas à quoi ça sert. Allez, je vais en voir plein maintenant. Mais. Mon dieu. Pas qu'un mec. Avançons un peu plus dans le cœur du donjon. Avec un combat. What? Ouf, c'est dur. Ok. Elle est magnifique. C'est une magnifique. Ah.
Ah, ok. C'est déjà ça, une plume. Oh, la pauvre. Bête. Ouh. Yes. Je peux pas te laisser repousser des ailes comme ça. Alors ce putain de réacteur qu'il a donc. Oh putain. Il est vraiment cool. Je sais pas quelle est la bonne couleur pour ça. Bon. Rouge, c'est quand même pas mal. Jaune, je sais pas, et vert, ça va être nul, je présume. L'objet du donjon? Qu'est-ce que ça peut être? Le boomerang! D'accord, ça, c'est plus marrant tout de suite. Si il remplace le point rouge, son droit peut frapper le boomerang pour 50 points de ce plan. C'est cool! Ça fait que maintenant, j'ai accès à plein de trucs. Ok. Non, c'est juste que la... Le... J'arrive pas à parler. Oh, puis merde, pas grave. Les touches directionnelles, voilà. La croix. Elle marche pas. Je l'ai pas configuré. Par contre, là, ça en sera utile. Vas-y. Entre eux. Oui, non, je l'ai vraiment pas du tout fait ce jeu, enfin ce donjon, puisque je savais pas du tout qu'il y avait un boomerang. Pour dire. C'est juste épique cette arme. Visée automatique. Vraiment cool. Ce boomerang de l'infini. Joue un cœur en bas. Mais non, c'est pas un spectacle de cœur. Ok. Allons-y. Me donne pas d'argent, s'il te plaît, coffre. Merci. Allez, faut être un peu poli avec les coffres quand tu t'écoutes. Et pourquoi il faut qu'ils répètent à chaque fois ce que font les objets? Ça m'énerve. Ça m'énerve. Donc, combien de temps que je filme? Je fais pas de bêtises. Je ne sais pas. 20 minutes. 20 minutes, ça va. C'est tranquille. Tic 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 tic. Boom, bitch. Youpi. C'est comment je peux tomber tranquillement. Voilà. Et je peux ouvrir la porte qui est là-bas. Voilà. Car je me demande qu'est-ce qu'il doit bien avoir là-bas. Et voilà. Oh, intéressant. Ah, non,
Bisley. T'as le prix. Un coffre avec des sous, je suis sûr. Merci pour les cœurs en tout cas. Ouf. Et le coffre contient encore un pendentif du bonheur. Je peux dire que c'est logique vu que ce sont des sortes de papillons. Tu bats et non tu te donnes ça. On est au premier étage. On est au premier étage. D'accord, le boss est juste devant. C'est ça? Ouais, le boss est juste devant. Mais j'ai pas la clé du boss. Ça fait que ça va être encore un épisode où on va s'arrêter juste devant le boss. Donc, qu'est-ce qui nous attend en bas? Une porte. Une plateforme là-bas aussi. Ça me permettra de remonter, je présume. Et on va voir d'abord ce qui nous attend ici. Ici. Donc tout kawaii. Ce massacre est magnifique. Kawaii. Alors je peux pas accéder ici. Là, je voulais passer par là. Ouh, nouveaux ennemis. Je vais être pas voir de l'un. De loin. Si Link veut bien monter, Link veut pas monter. Si Gecko veut pas monter. Il ne meurt pas dans l'eau quand même, ces enfoirés. Et vraiment, c'est tout vraiment caca. Oh, plein de possibles. J'ai jamais remarqué. Je n'avais jamais remarqué ça. Bon, ça, c'est bien. Les ennemis nuls, hein. Alors. Là, ça va d'avoir un coffre, ce coffre va contenir les rubis. J'étais à cette musique. Enfin, je crois que c'est de la musique quand, pour les rubis, en tout cas. Alors. Aïe. Meurs. Je peux faire ça avec une bombe, logiquement. Oui. Je crois que j'aurais pu l'amener tout là-bas, en fait, là-bas. Allez, ça passe. Une porte. Et là... Ah oui, là, je sais comment faire. Et donc, ici, oh mon dieu, c'est encore plus grand. La magie. C'est inoffensif comme ça. Allez. Voilà, nous à toi. Ça tu n'embêteras plus personne. Ouh, je suis one-shot. Cool ça. Peut-être que tu vas y toucher. Ok, pour deux français. Ok, ça c'est fait, il en reste quand même un.
Et ça, avant que ça tombe. Enfin, ça disparaisse plutôt. Totalement logique. Aïe. Ok, ça va. Et... c'est que je vais faire. Ça passe. Et là, je peux rompre. Et logiquement, vu que je suis trop près, elle se ferme. C'est logique. Mais il y a l'air d'avoir un trou en haut. Ça. Ça se passe aussi. Voilà. Ensuite. Ok. Je fais. Non, ça c'est quoi faire. Ok. Oh, c'est ton mec, ça. Aïe. Ah, je fais du caca. Boum. Voilà. Ça. On va le mettre là. Ça. Bouger. Vite. J'y vais. Mais j'ai failli. On va y passer beaucoup de temps sur ce truc, je pense. Beaucoup de temps. Ça fait quoi? Je dois atteindre le truc où il y a la bombe. Après ça, trompette touche encore. Génial. Ah non, je peux revenir, j'en mets pas. Non, je fais ça. Je peux faire ça direct. Non. Ça, ça marche pas. Je suis obligé d'être là-bas pour que ça marche. Dites-moi. Donc voilà. Ça m'amène là. Là. J'ai une bombe. Ça a marché, on dirait, non? On va essayer d'une autre façon. Et là, ça marche. Et là, il y a la clé du boss. Excusez-moi. Ta-ta-da-da. La carte au trésor. Intéressant. Tout ça pour une carte au trésor. D'accord. Ce truc n'a pas de... là, je peux plus l'ouvrir. Je pense pas qu'on puisse l'ouvrir en plus, peut-être. Ah. Donc je suis en train de rouler sur les... le câble de la manette. Je la respecte pas. Et pour le sorte de petit bateau, le bateau fleur, on va l'appeler comme le bateau fleur. Oui, ça marche. Et on fait comme ça. Voilà. Youhou. Non, pas comme ça, débilos. What the fuck? Le saut.
Cette frame au jeu est tellement buggée, quoi. Voilà, là on se capte ça. Je ne comprends pas trop comment ça marche. Là je ne sais pas si j'en aurais vraiment besoin en fait. C'est bien un truc à tête chercheuse. Non, c'est pas ça. C'est pas ça, Gecko. Moi j'en aurais. Je suis obligé d'en avoir besoin en fait en plus. C'est un peu bugué quand même comme truc, je trouve. Sous l'océan. Je vais me rater en plus. Sous l'océan. T'as la vitesse à laquelle. Je vais essayer de m'avoir. Tous ces trucs cachés quand même. Rien. Ça me reste encore un, deux, ok. Je vois comment ça marche ces trucs par contre. Et oh, on n'a pas fini. Mais je pense qu'on a fini pour cet épisode donc les gens. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, je vous dis à la prochaine. Ciao et surtout jouez bien. Bye bye.